Allez, c'est reparti pour du Tokyo by Night. Là, c'est la porte qui mène à Kabukicho. Kabukicho, vous allez voir, c'est un quartier bien spécial, connu de tous les gens qui aiment quand ça chauffe, tu vois. Quand ils aiment quand c'est rouge, quand on vire dans le rouge, tu vois. Genre quartier rouge. What a wonderful world. Alors le Kabukicho, c'est l'un des sous-quartiers de Shinjuku et les Tokyoïdes viennent ici pour boire, manger et surtout s'amuser. Alors ici dans la liste des restaurants et des cafés insolites à Tokyo, il y en a absolument un que je voulais vous montrer, hein, parce que moi je suis dans le partage, tu vois. Donc je vais vous donner juste une vague idée de quoi ça ressemble. Bon alors, pour vous montrer ce que je voulais vous montrer, il va falloir patienter un petit peu parce que j'ai rendez-vous à 21h10. Attendez-vous à quelque chose d'exceptionnel, hein. Genre du jamais vu en France. Hein. Alors, on va essayer de se trouver un petit truc à manger parce que je commence sérieusement à avoir faim. Alors là, je vous explique. J'étais en train de manger dans un restaurant et cette jeune femme, elle s'appelle Tomo. Et en fait, elle m'a entendu parler français, elle m'a regardé avec ma caméra et elle s'est invitée à ma table et on a mangé ensemble. Et ben vous savez quoi, elle m'a payé le repas. Elle m'a dit enjoy in Tokyo. Et elle m'a dit t'as une heure à tuer, si tu veux je t'emmène faire un tour dans le quartier. Donc je la suis, elle nous fait la guide. What the name of the street? Omoide Yokocho. Omoide Yokocho. Let's go. Donc c'est la fameuse rue où vous avez des tout petits restaurants d'après-guerre où la quantité de gens est vachement limitée parce que c'est des tout petits restaurants. Donc on peut y rentrer à 5 ou 6, voire 4 ou 5 pour les plus petits. Là, il y a des fumées, des odeurs et des fumées de bouffe qui émanent de tous les petits restos autour de moi. Regardez là, je sais pas ce qu'ils vont manger, mais alors... Charbon, cuit au feu de bois. C'est marrant, c'est des micro-barbecues, tout est cuit à la broche et ça sent très très bon. Ce qui est chiant, c'est que j'ai déjà mangé, alors du coup, faire ce genre de visite, le ventre plein, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent. Mais enfin bon, c'est pas grave. Very popular place. Eh ben, I like very popular place. Yeah. Elle est gentille cette fille, franchement c'est super sympa cette rencontre parce qu'elle n'était pas obligée de le faire. Si un jour on vous dit les Japonais sont des gens fermés, eh bien écoutez, non, c'est faux, les Japonais sont des gens très ouverts. Et elle en est la preuve. Omoide Yokocho. Omoide Yokocho. Very good. Tariq's pronunciation was so great. Vous avez entendu les gars, ma prononciation est très bonne. I didn't say that. Ah là 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 là. Thank you. Thank you. La balade continue, toujours en compagnie de Tomo, ma guide japonaise. Le fameux magasin là. Elle me dit qu'apparemment c'est un supermarché hyper fameux ici à Tokyo et tu peux acheter un slip, tu peux acheter des bonbons, tu peux acheter des chaussettes, tu peux acheter un pélican, tu peux acheter un chien de compagnie, tu peux acheter des glaces en plastique, tu peux acheter des faux bonbons en plastique, tu peux acheter des cache-bouches, tu peux acheter des sacs à dos. Tu peux acheter des bouts de viande séchés, tu peux acheter des coupe-ongles, des porte-clés,
des petits chats qui font bonjour. Tu peux acheter des sacs, des t-shirts. Tu peux acheter des collants. Tu peux acheter une télé. Bah apparemment faut monter à l'étage supérieur. C'est là où que ça se passe, alors on va aller voir. Hein. On est curieux nous. Hein. Le magasin s'appelle Don Quichotte. Tu peux acheter des belles casquettes en velours. Des chaussettes. Des chaussons. Tu peux encore acheter des chaussettes. Mais pas n'importe lesquelles. Hein. Des chaussettes Hello Kitty. Il y a encore un étage. Ça s'arrête pas. C'est la folie les gars. C'est le Walt Disney du centre commercial. Alors là on est au milieu des chaussettes, des t-shirts, des jouets pour enfants. Il fait une chaleur ici. Alors la clim ils doivent pas l'avoir. Mais attends, c'est super musique ça. Hein? I love this music. You like it? Wow, I like it. And you, you like it, monsieur? Oh, it's you? It's Tomo? It's not you? I know this one, but nowadays it's so popular. C'est quoi ça? C'est populaire au Japon, ça? Non, mais c'est une blague. It's a joke. This is a mask is so popular in Japan. Really? Recently. C'est un drôle de mélange, ce magasin-là. Je vais discrètement me diriger vers la sortie, hein, parce que j'ai pas envie de monter au quatrième étage non plus. Ah, oh, exit. Let's go. Yeah. Elle m'a escroqué, elle connaît pas la rue. Elle sait pas où ça se trouve. Alors ce qui est bien à Tokyo, c'est que pour le prix de un guide, t'as deux guides. J'ai Tomo et j'ai ce monsieur. Qui est les... Alors, j'en ai deux. C'est extraordinaire. Voilà, donc ici là-haut en jaune, c'est écrit Golden Gate en japonais. Bah, je sais pas trop où aller, hein, donc on y va à l'arrache. Hein, on rentre dans la première rue et puis on verra bien. What a wonderful world. Si vous êtes de passage à Tokyo, moi ce que je vous conseille de faire, c'est venir faire un tour ici à Golden Gate, boire un coup. C'est vraiment sympa, c'est original. Ah, parce qu'elle me dit qu'elle connaît un chanteur français, enfin une chanteuse. Alors je lui dis, vas-y, bah, dis-moi le nom. Puis elle trouve pas. And a woman, old woman. Old woman? Already died. Ah, Edith Piaf. Yes, Edith Piaf. Alors, j'en étais sûr qu'elle allait me sortir Edith Piaf. Et tu viens au Japon, tu leur dis, dis-moi une chanteuse française, Edith Piaf. Vas-y, singing Edith Piaf. Non, rien de rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. En tout cas, ce petit moment avec Tomo, et c'était super sympa. Et bah, ça a été un plaisir de partager ces petits moments avec elle. Hein, Tomo? What? Ah, I say it's a good moment with you, and I would like to say thank you so much. Voilà, hein, c'était la surprise, hein, je vous avais dit, hein, en venant ici à Kabukicho, j'avais qu'une envie, c'était de vous amener ici au robot restaurant, les gars. J'espère que ça va vous plaire, c'est un spectacle, jamais de ta vie t'as vu ça, tu vois. Donc c'est parti, on y va, allez. Alors dans la série des cafés atypiques à Tokyo, je crois que là, high level, les gars. Là c'est du high level, hein. Là j'ai pas rigolé, là j'ai mis la barre super haute. Là le guitariste c'est quand même un robot quoi, c'est un truc de ouf les gars. Bon, vu l'ambiance et le décor, je m'attends à quelque chose de très spécial. Hein.
miles aside from us. So aside from us, so I